Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les box du mois de novembre. Pour les curieux, mais aussi pour vous donner une idée de cadeau de Noël original à offrir ou à s'offrir. Et pardon tout d'abord pour la qualité de l'image qui n'est pas toujours au rendez-vous. Cette petite boîte m'a été offerte lors de mon réengagement chez ma Gambette Box et du coup j'avais un supplément de cadeau. Et pour le mois de novembre, j'ai donc reçu un petit turban pour les cheveux. Vous pouvez trouver ma Gambette Box sur leur site et vous abonner pour 13,90€ par mois. La thématique du mois de la Birchbox est sur le fil. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Toujours accompagné de son petit livret avec le descriptif des produits et leur mode d'utilisation. Et voilà le petit accessoire dû à la thématique sur le fil. En fait, ce sont des fils avec une aiguille. Et vous pouvez bien évidemment customiser à votre goût votre petite boîte que je vous montrerai à la fin. Un gommage pour le corps, fruité, senteur pamplemousse, de la marque Anatomicals. Herborian nous fait découvrir sa petite lotion lactée. Un shampoing protecteur pour les blondes de la marque Beauty Protector et bien évidemment, il est vegan. Laka & Co nous fait découvrir son highlighter, stylo double emploi ou en illuminateur ou en ombre à paupières. Terminé, toujours avec du make-up, Model Co nous fait découvrir sa crème de rouge à lèvres, aussi bien pour les joues que pour les lèvres, avec un sublime rouge. Vous pourrez voir que j'ai réussi à customiser la boîte pour ma fille au doux prénom de Lana. Vous pouvez bien évidemment retrouver la Birchbox sur leur site à 13€ par mois. Ce mois-ci, My Little Box nous souhaite une bonne nuit. Toujours une jolie petite boîte avec son ruban et bien évidemment le dessin et l'assignation de Kanako. Je ne veux pas dormir, je ne veux que rêver. Ainsi que le petit catalogue. Cette fois-ci, il y avait même un échantillon de thé pour bien dormir. Avec astuces, les produits, plein de tutos. C'est
C'est évident qu'avec ce masque de nuit, la luminosité ne nous gênera plus. En plus, il est réversible. Je dois dire que je suis tombée amoureuse de cette petite coupelle en lune que j'ai mise sur le bord de mon évier pour y mettre mes bagues et mes petits bijoux. Toujours dans sa petite pochette en coton, les petits produits et make-up. Garantia prend toujours soin de notre peau. Avec celui-ci, anti-peau de croco. Un soin qui gomme sans grain ni rinçage. Ce mois-ci, dans la box, en produits de chez eux, ils nous ont glissé leur gelée démaquillante, qui a l'air sympa. Novexfer va nous faire oublier les tracas de la journée avec cette crème peeling de nuit. Ce petit gant glove va venir à bout de tous les maquillages, même les plus résistants. Et toujours fourni, les petits cartons avec les produits, les explications, les prix. Vous pouvez retrouver My Little Box à 16,90€ par mois. Ce mois-ci, la Gambette Box, elle, s'est mise à l'heure anglaise. Gambette Box nous a glissé ce mois-ci deux collants transparents avec des motifs de couleur noire. J'ai eu bien sûr en cadeau la crème de minuit en supplément aussi. Ma Gambette Box, elle, est à 13,90€ par mois toujours. La Beautiful Box m'a été conseillée par une amie. Et c'est la petite nouvelle du mois. Mais je dois dire qu'elle m'a pas mal convaincue. J'ai adoré sa petite boîte en forme de grosse tablette de chocolat pour la gourmande que je suis. En parlant de gourmande, je crois qu'ils me connaissent bien. Ils m'ont mis deux chocolats.
pour une peau nourrie et sublimée, l'huile de beurre de cacao de chez Palmer's. Ainsi qu'une guimauve au chocolat noir et caramel à la fleur de sel barou. On peut là aussi retrouver une jolie petite pochette en coton, très féminine. De leur marque à eux, on retrouve le beau crayon Chocolate Pencil. On ne voit pas très bien, mais c'est un espèce de marron foncé. Ainsi qu'un rouge à lèvres, toujours de chez eux, caramel latté. Il est très très joli. On ne voit pas très bien, c'est dommage, mais c'est un clair qui est sublime. Et comme on dit, un look jusqu'au bout des ongles avec ce joli vernis Miss Fancy, by Beauty Plus, toujours. Pour aller avec leurs crayons, ils proposent aussi un fard à paupières dans les tons marronnés. À premier abord, je le trouve pas beaucoup pigmenté, mais à voir. C'est sympa, ils proposent un carton avec leurs produits, mais directement fait en tuto. Ce mois-ci, par exemple, c'est le tuto de Chocolate Cocooning, où ils proposent comment appliquer leurs différents produits, un à un. Et bien évidemment, cette box gourmande ne le serait pas sans un soin gourmand, Hot Chocolate, un masque de montagne jeunesse. Sublimons le tout avec cette superbe planche à tatou éphémère. La Beautiful Box, elle, est à 14,90€ par mois. Et je dois dire que pour une toute nouvelle, elle m'a vraiment convaincue. Merci à tous, à bientôt.